Bonjour les filles, on se retrouve pour un petit challenge, enfin un défi aujourd'hui. C'est le défi du make-up sans pinceau. Donc je vais commencer tout de suite. J'ai déjà mis ma crème hydratante. Je commence par prendre une base. Donc ici c'est celle de chez Catrice. En tube pour voir plus facile. Que l'on met au doigt. Voilà. Toujours au doigt pour ne pas utiliser de pinceau, je prends une bébé crème. Ici, c'est celle d'essence. Qui est très, très, très liquide. Voilà. Ensuite, on passe au correcteur. Donc, toujours mon fidèle camouflage de chez Catrice, que j'applique bien évidemment au doigt. Sur mes petites imperfections. Enfin, petites. Voilà, jusque-là rien de bien compliqué. Maintenant on va poudrer. Donc je prends ma poudre compacte Catrice. Et comme j'ai pas le droit d'utiliser de pinceau, je vais utiliser une éponge. Poudre intensément où j'ai foutu du correcteur, où j'ai mis du correcteur, et ensuite j'en remets un petit peu pour étirer. Voilà. Alors ça c'est fait, ça c'est fait. On va passer au bronzer. Donc je prends celui-ci. Et je vais tout simplement le mettre au doigt. Déjà, le contour du nez. Et ensuite, je reprends ma petite éponge pour l'étirer. Je ferai le reste du teint après. Je vais passer au sourcil. Donc ça c'est assez simple. On prend un crayon. Je prends ma base à paupières. Donc c'est la Loro de chez ELF. Ça c'est comme d'habitude, ça change pas. Voilà. Je prends un crayon pour les yeux. Ici, c'est un Sephora en teinte Keep Blue de 102. 102, si j'ai pas de bêtises. Et je fais, donc c'est un bleu bleu nuit. Je fais mon ras de cils supérieur. Et avec l'autre côté, je laisse.
Je remets en muqueuse inférieure. Et je fais déborder à l'extérieur du coin interne, externe, jusqu'à la moitié de l'œil à peu près. Et on estompe. Je prends une ombre crème en stylo comme ceci. Donc ici c'est la marque Gauche. Voilà. Donc ça se présente comme ça. Et je le mets sur toute ma paupière mobile. Dans le coin interne. Et on va ici. Et on estompe. Donc on l'étire vers le haut. Et pour bien faire, on fait pareil sur l'autre œil. Voilà. Ensuite, je prends un fard à paupières gris anthracite, mais pailleté. Donc ici, c'est celui d'essence 64. Et comme ceci, et toujours avec mon doigt, je fais mon coin externe. Avec un doigt propre, je mélange et je l'estompe. Donc on n'hésite pas à en rajouter jusqu'à ce qu'on et le résultat voulu. Voilà, ça me paraît pas trop mal. Je reprends ma poudre compacte et je la mets en tant que touche lumière pour bien estomper le fard gris. Je remets un petit coup de crayon en muqueuse. Voilà. En mascara, je vais utiliser un combo. Donc le Zoom Zoom Mascara de chez Belle et le Rocket de Maybelline. Donc voilà pour les yeux. On va passer au reste du teint. Donc je prends un blush liquide de chez PB. Donc j'en prélève un tout petit peu. Vraiment pas grand chose pour les deux joues parce que c'est assez pigmenté. D'ailleurs je crois même que j'en ai déjà pris trop. Il ne faut vraiment pas beaucoup. Je reprends mon éponge avec ma poudre et je continue un petit peu de l'estomper. Pas que j'ai l'air d'une poupée russe en sortant. Voilà,
Et je finis avec le highlighter pour le teint. Donc ici, c'est un stick de chez Catrice. Voilà. Voilà. Et pour finir la bouche, je prends le lip putter en 0,45. Pour mettre sur la bouche. Et voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que le défi est plutôt bien relevé. Bon, il y a des choses assez, assez simples à accumuler, style le fond de teint, la base et tout ça, on peut facilement mettre à la main. Le crayon pour les sourcils, c'est un peu logique aussi. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.